Est-ce vraiment ça que je pense? Même pas. Tu restes l'action? Ouais, reste l'action, moi. Je suis venu rendre visite cette direction-là. Ce coin de la communauté qu'on appelle Kitsakik. Ça, là, ça, c'est la rue. Mousse Mikana, encore. Encore un autre truc qui s'appelle Mikana. Génial. Je sais pas quoi ça, mais en tout cas. Ça, là, les maisons n'ont même pas fini de construire, puis ils habitent déjà dedans. Ils n'ont pas fini de rénover. Écoutez, ils ont-tu mangé une tornade, ici, ou quoi? Tous les arbres sont à terre. Oui, ça? Les arbres sont à terre. Bon. OK, un peu de sérieux, quand même. Bon. Il me semble que j'ai déjà vu ça ici, il y a bien longtemps. Si je reviens en arrière, là, il y avait des maisons abandonnées ici, dans cette direction-là. Des maisons abandonnées, oui! Des maisons laissées à l'abandon. Où est-ce qu'il n'y a plus personne qui reste dedans? Comme genre celui-ci, regardez. Ça, là, on peut dire que c'est une maison abandonnée. Où est-ce qu'il n'y a plus personne qui reste dedans? Ben, me semble. Il y a un vieux morceau de satellite qui te croche en haut. Qui te croche en haut. Vous voyez ça? Des morceaux de câbles. Ah, ça doit aller mal si quelqu'un a des satellites, site. Il n'y a pas même pas l'internet comme chez nous. C'est plus pire que chez nous. Il n'y a pas même pas le réseau correctement. Regardez. Il n'y aura pas le réseau bien, bien parfaitement. Les arbres, ils brouillent les signaux. Là. C'est là. Derrière de moi, c'est encore une autre maison abandonnée. Ça, c'est une maison abandonnée, ça. Regardez. Il a mis une planche dessus. Une maison laissée à l'abandon. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis le satellite là-dedans. Je n'ai aucune idée. Vous voyez ça? C'est tout placardé. Ouais, hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Ben ouais, hein? C'est quoi tout ce tapage-là? Une génératrice. Oui? Bon, je vous ai dit, il fonctionne la génératrice. C'est pas comme chez nous, on fonctionne à l'électricité, nous autres. On doit payer. Eux autres, ils doivent payer encore plus cher pour acheter de l'essence. Les chemins ici sont vraiment massacrés. Les chemins sont massacrés ici. Mon pied va dans tous les sens. Droit, gare, haut, bas, gauche, droite, puis A, puis B, puis start. Bon. Mais c'est ça, là. Ah, mais la seule, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Regardez, encore une autre maison abandonnée là-bas. Je peux une maison abandonnée, c'est ce que je peux dire de ma part. On voit pas beaucoup de chiens, j'en ai vu juste en haut, là-bas. En haut de... ici, là. Il me semble que j'arrive à la fin du chemin. Je sais pas, là, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Ah, vous entendez au loin?
Écoutez. Ça, c'est le barrage. Un gros barrage. Qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est plutôt ordinaire. On va voir ça. Regardez-moi ça, c'est une maison qui est tombée en ruine. Vous voyez ça? Elle est tout tombée en ruine, la maison. Regardez-moi ça. Tout est en ruine. Ça fait longtemps, ça. Il me semble que j'ai déjà visité une maison de même. Mais il y a bien longtemps, si on revient en arrière, là, bien longtemps. Si je revenais dans les années 2002 ou 2004, je crois bien que j'étais déjà venu ici. Comprenez-vous pourquoi je dis que c'est une maison, qu'il y a des maisons abandonnées ici? Et voilà. Et en plus, il y a d'autres maisons en bas de la route, en bas de ces chemins-là. Ouais, non. Ça, c'est une maison abandonnée, ça, on dirait. On pourrait dire. On va aller voir? Ok. Regardez la fenêtre cassée. Non. Coudon. Ta pinoche. Putain, il y a des affaires ici. La fenêtre est corsée. T'as certainement quelqu'un qui doit rester ici. Regardez, même des fils au tuyau. Des prises USB. Il y a dessus même des jouets. Une petite pog. Une petite face de pog. Entendu ça? Une fenêtre cassée. Oh. Des écouteurs. Oui, j'ai mis de la vaisselle là-dedans. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez même pas, attendez. Non, regardez, c'était une décoration de Noël. Un miroir. Même des affaires de perles. Nia, regardez ça. Mais petit ça. Wow. Attends, la fenêtre ne s'ouvre même pas. La fenêtre ne s'ouvre même pas correctement. Regardez ça. C'est bien beau ça. Ça, c'est beau. Allez voir ça. Ah, il y a une petite maison miniaturisée. J'en reviens pas. C'est une maison miniaturisée, tellement petite. Regardez, il y a une fenêtre, il y a même des escaliers là-dedans, regardez.
Aïe aïe. C'est petit là-dedans, je sais même pas si je pourrais rentrer là-dedans. On va essayer. Ok. Restez là, ok? On va essayer de rentrer là-dedans, je suis pour le fun. J'espère qu'il n'y a pas d'idée que. Coucou la danger les dents. Ah c'est petit. Ah c'est minuscule. C'est très minuscule. Ok, venez avec moi. On va aller voir ça à l'intérieur. T'as avant nous j'ai réussi. Mais ça chien. Il y a même en haut. Des escaliers. On va essayer de passer. Ça, c'est vieux, mais c'est beau. Wow! Regardez, je monte les petits escaliers. Je suis peut-être compacté, là. Est-ce que je vais peut-être faire des sorties par ici? Attendez, je vais essayer. Hé, tabarnak, c'est... Je suis serré! Je suis serré en ce moment! Wow! Et me voici en ce moment! C'est la galerie de ça! J'ai rentré là-dedans! Je sais. Là, je sais pas si je vais pouvoir en sortir! C'est vraiment beau! Mais dommage qu'il était laissé à l'abandon! Regardez, c'est tout pourri. La personne qui a fait ça, là, aurait pu le sauvegarder au moins. Ou bien le restaurer. Ou quoi que ce soit, quelque chose de genre. C'est vraiment beau. C'est très, très beau. J'aime vraiment ça. Déjà, c'est déjà pour enfants. Du ça, là, ce machin-là. Là. Bon, ben. On va descendre. Hey, j'en ai pas. J'ai rentré là-dedans quand même. Hey, c'est petit, mais c'est vraiment spectaculaire de voir ça. La personne qui a fait ça, là, c'est vraiment... Regardez ça, en plus! Une porte! La porte est toute barrée. La porte est barrée, en plus. Wow, la personne qui a fait ça, ça doit avoir pris du temps à faire ça. Regardez, même des petites fenêtres ici. Il y a de tout là-dedans. C'est petit. C'est magnifique. Là, regardez, un morceau de téléviseur. Tout brisé. Tiens, tu tiens quoi? Roosevelt. Ça fait longtemps, ça. Un morceau électronique. Regardez, on trouve même l'écran. Waouh! L'écran est le titre. Vous voyez ça? L'écran est là. Ah, oh, mais c'est pas pire cette affaire-là. Ça, c'est vraiment pas pire. Tabarnak, j'ai moi, c'était une vieille maison abandonnée, encore une autre. Encore une autre maison abandonnée. Hey, tu t'es une aventure, je me fais là? Ça, ça a tout brûlé à l'intérieur, tu sais. Ça, c'est une autre maison abandonnée. Il n'y a plus personne qui reste dedans, ça. Celle-là, tu m'as dit, je n'irai pas là-dedans. Bon, ben. Tu t'es une aventure, je me suis faite là. J'ai rentré dans cette maison-là. C'était assez drôle. Bon. Ha! Regarde où tu as trouvé le morceau de tes visages. Le morceau en question. Chouin! Et il a été cassé. Bon, on retourne dans cette maison-là. C'est une vieille maison abandonnée. Il n'y a plus personne dedans. Laissé à l'abandon. Hein? Il y a des vêtements en tête, juste les personnes sont parties quand même. Regardez mon morceau de speaker. On va l'emmener.
Voilà, venez, lève-moi cette spiga. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, ça petit. Un appareil vidéo. Mono. Oups. Il a dû me jeter. Non, j'ai fait des téléphones. C'est... Oh, qu'est-ce que c'est? Un adaptateur. Je sais pas quoi, en tout cas. Next Planet. La fin d'Explanet, c'est de l'aller. C'est ça? Là, comme chez nous. Je n'ai la fin d'un chez nous aussi. Des ustensiles, il y a là-dedans. Je me rappelle qu'il peut bien avoir resté là-dedans. Des scènes noires. Quelle drôle d'aventure je me fais là. Où est-ce qu'il n'y a plus personne qui reste dedans? Je ne sais pas si je peux utiliser. J'ai emmené les écouteurs et j'ai emmené les fils celle-là. Il n'y a plus personne qui reste là-dedans. Je te mets ça, on laisse ça à l'abandon. J'ai emmené ça, puis ça, ces fils-là. J'ai dit, c'est pareil, tu mets en bas de nuit. La porte est arrachée. Elle est tout arrachée. Il y a même une ampoule spirale en haut. Comment je pourrais aller chercher ça, hein? Je vais l'emmener. Je vais m'emmener tout ce que je trouve. Attendez, je vais chercher l'ampoule spirale en haut. Ça, c'est économique, ça. Hop. Attendez, là. On va l'emmener chez nous, celle-là. Voilà. On va détruire ça chez nous. Ah, j'ai pas vu. Attendez, je vais regarder de quoi. Y'a rien là, y'a rien. Mais voilà. Je me suis abandonné. Dommage, c'est pas celle qui avait des panneaux solaires dessus. Il y avait même des détecteurs de mouvement ici. Plus personne qui reste là-dedans. Ben dans mon aventure. Mais surtout la petite cabane en arrière, waouh! Ça, c'est vraiment beau, ça! Ce sera le fun si je pourrais l'emmener chez nous. C'est vraiment trop le fun, il est vraiment beau. Très beau, la cabane, mais la difficulté, c'est d'emmener ça chez nous. C'est trop gros, c'est trop immense, c'est trop important. Peut-être que vous avez vu la cabane, je me suis rangé, rentré dedans. Attendez un peu. Ça ressemble à l'endroit où j'avais déjà été quand je suis venu ici avec, avec mon père, une fois. Il y a bien longtemps, en tout cas. Bon, c'est là. Salut.